Oui, c'est ça. Pabli, on suit l'émission Réflexion, on m'a salué. Oh, bon, belle amie, si je ne me trompe pas, mon bien belle amie. On m'a salué Fritz Vertil, on m'a salué, qui est encore là? Edline Albert, si vous ne me parlez pas, et m'a salué, m'a salué tout le monde qui a suivi nous sous Figibook. Partagez la vidéo pour nous, s'il vous plaît. Nous avons de l'eau douce au studio, nous saluons Charles Chocotelier. Par contre, ça passe, c'est le Freddy à la fin. Et pas Freddy, on sait la bien pour Michel, la soirée. Nous connaissons bien, c'est Folie Liberté, il y a des titres, l'alternative, la limite côté, la fête, la fête, Madame Edline, partagez la vie pour nous. Partagez la vie pour nous, tant pour y avec mon Folie Liberté. Quittez-moi rappeler nous, ou même qui ont une urgence, mes amis, ou qui ont une urgence, ou besoin de concours pressé, pressé, bientôt venez dans le bureau, relez-nous dans 305-603-9793. 305-603-9793. Et pour nous capables de bientôt joindre une avance, ou qu'à joindre une avance de 500 jusqu'à 7000 dollars. Donc, bientôt relez-nous dans 305-603-9793. C'est ça, pas quitter les machines, pas quitter les terminaux, pas quitter les gens qui ont parlé de chansons, mais l'office la plus vite que possible dans 305-603-9793. On vient comme là. Si pas jeune aujourd'hui, on vient de demain. Si pas jeune demain, on vient dans 10 à 15 jours. C'est relé l'office dans 305-603-9793. Parce que j'ai besoin de me séparer pour partager mon programme spécial avec ARS et que avant que je toujours ouvre pour vous, à commencer à sauter tout le monde. Avant date officielle ARS là? Et que vous avez fait taxe avant tout le monde dans la vision de mes secrétaires 305-603-9793. Office pour moi situé dans 319 Street. Le smartphone de votre voix, non, bout de storage. Mais les 305-603-9793. C'est ça, pas oublier que. pas oublier que nous avons plus que 12 ans dans le même local. Là. Donc, si vous cherchez sécurité, non seulement pour documents ou cas en sécurité, mais si vous cherchez un côté qui est stable, eh bien, nous là depuis plus que 12 ans et nous avons plus que 15 ans d'expérience. Nous avons quand même un bureau dans affaires taxes. Donc, pas hésiter pour relever nous. Pas hésiter pour relever nous dans 305-603-9793. Si vous cherchez un côté qui vous fait confiance, vous pouvez entrer. Et dans une famille, côté que vous êtes en sécurité de toute façon. Et même si vous avez une dette, il y a une façon que nous pouvons aider ou soit réduire ou bien totalement éliminer la dette avec ARS. Donc, relevez-nous dans 305-603-9793. Et surtout, nous comprenons comment
Il y a des situations qui sont très difficiles dehors. Hein. Si vous avez une situation difficile, vous avez besoin d'argent rapide, rapide. Nous avons envoyé plusieurs chèques. Non, depuis le 2, nous avons envoyé chèques. Donc, relez-nous, nous avons envoyé nous dans 305-603-9793 pour qu'on ait acquis document pour marcher, pour capable de joindre en avance sous COP Taxou. Ou qu'à joindre de 500 jusqu'à 7 000 $. Encore numéro 1, c'est 305-603-9793. Nous remercions tout le monde. Nous avons un client qui est habitué avec Vision 2050 lui-même. Nous avons connu ça, nous connaît chaque année. Et nous avons joué en avance. Et puis chaque année, tout, nous avons rempli taxe bonheur. Pour ne pas victime avec social. Parce que nous avons quelques clients nous vraiment. Qui compte victime de l'autre côté et utiliser information yo donc yo vini en bas couverture là parce que nous avons couverture dans vision 2050 depuis nous cachons en bas couverture ça pour servir à 40 les bagages et 40 donc relez nous dans 305 603 9793 c'est pas même genre avec européen pour parler qui marche découvrir côté et puis qui a quitté au sans couverture ouais découvrir Haïti yo dit yo découvrir Haïti yo quitté Haïti sans couverture ouais pour s'y apporter Haïti ouais toute l'autre bagarre apporter Haïti mais c'est malgré c'est pas vrai yo te joint nous là et voler mais tout c'est yo découvrir nous même nous pas bon couverture donc pas hésiter relez nous dans 305 603 9793 en parlant de couverture. Je dis toujours dire l'entrée dans vision 2050 ou faire une pierre plusieurs coups et ou capable de jouer une couverture d'assurance qui permet de protéger la valeur économique pour si vous êtes tombé et si vous avez un mort subit pour famille en pas souffrir pour rêve financier famille en pas craser et bien relez nous dans 305 603 9793 pour qu'a prendre un plan d'assurance vie et pendant à préparer pour cas imprévus on a tout encouragé au préparer pour vieillir sous parce qu'on pas comme qu'est-ce qu'a privé avant si c'est dans moi si c'est vieillesse là donc pour préparer pour tous deux avec un plan retirement et une couverture d'assurance et 305 603 9793 c'est le numéro pour les nous 305 603 9793 c'est le numéro ça que vous avez nous lors entrer dans vision 2050 non seulement avez et bon service staff là nous recevoir ou avec pile en pile gaieté nous content nous toujours content ouais nous content ouais tout le monde spécialement sur ces monde et particulièrement sur ces haïtiens donc relez nous dans 305 603 9793 ou bien passez dans 200 Nord-Ouest, 79 Street et Nord-Ouest, deuxième côte, dans point de stockage. Là, on a essayé de point dégager, nous venir dans point de stockage pour nous capables de. Oui, c'est ça, la vision 2050, c'est free electronic funding, free deposit. Après, on trouve une compagnie rapide. Les offices sont 305-603-9793. Nous, c'est tout le monde qui a fait des capsules, on fait des bouquins, on fait des bouquins. Partagez l'envoi avec nous, et que nous permettions de nous, des autres héroïnes d'Haïti, que nous ne pouvons pas connaître. T'es Madame Suzanne Belair. T'es Madame Sanit Belair. Et nous avons Sanit Belair. Et Sanit Belair, c'était un lieutenant. Il était un lieutenant dans l'armée indigène. En 1802, il était au lieutenant de l'armée indigène. En 1802, il était exécuté quelques soldats dans l'armée française étaient exécutés. Il a parlé de ça déjà, m'a rappelé nous rapidement. Et puis en 1802, il était exécuté parce que il était refusé. By information sur plan la main indigène n'a gagné et pour faire révolution donc son femme vaillante gain quelques versions Sanit Belair gain quelques versions dans histoire là qui faut connaître que le
et l'armée française pour aller et soldats français pour aller exécuter et Marion si Jean Paul a tremblé mademoiselle passer de toi pas ta soeur il dit camper ferme pour prendre un ballon au fond no point d'entendre. Vous comprenez pour un ballon au fond il dit camper ferme et puis vraiment vrai il prend courage et puis l'armée soldats français ont exécuté et là qu'il y a un soldat français pour aller exécuter Sani Belair, et après elle fait ça yon l'autre façon, Jean que yon kon exécuter femme, mademoiselle Bayo Lod, li passe yon Lod pour yon exécuter le takou yon soldat, et donc yon exécuter vraiment takou yon soldat. Donc, ce dernier Lod que l'te passé, c'est Lod à l'armée française, à et soldat français sa yon pour yon exécuter le takou yon soldat. Gayen Cécile Fatima, on te parle de Cécile Fatima qui te gagnon yon esprit de leadership, li te mette avec c'est lui même qui te mette avec l'autre femme vaillant pour te organiser premier révolte organisée dans Zile Saint-Domingue, ce n'est pas première révolte, non, mais première révolte organisée qui était une structure d'organisation là-dedans. Dans Zile Saint-Domingue, le 14 août 1791. Et cette révolte, ça, qui était marqué début réussite bataille Vertirlan le 18 novembre 1803. C'est lui-même qui était responsable pour passer l'information de tentation à tentation. Oui, c'est lui-même qui était organisé. Oui. Il faisait de passer l'information à ce que vous connaissez, l'homme organisé pour la guerre, pour la réponse, pour lui faire passer l'information pour tout le monde sur la même page. Longueur d'onde pour tout le monde sur la même page, c'est ça. Qui t'aime faire, monsieur dit, ok, le m'a parlé, me fait mes micro là, parce que micro là, on a école fait dans les oreilles. Ok, let me try to, let me say it in English, because the problem is, we have some of our Haitian parents who do not teach their children how to speak Creole, which is sad, and I'm gonna shame you guys until you learn to do that, until you teach your children how to speak Creole. Okay, now we mentioned who? Cécile Fatima. Mm-hmm. She had the spirit of a leader. She led the first organized revolt of enslaved Africans on the island of Saint-Domingue against the French bullies who enslaved them on August 14, 1791. That was the first organized revolt. That was the first organized revolt that led to the Battle of Vertia on November 18, 1803. You want to say the other one, Sani Belair? No, she was. Mother Fatima was. She was responsible for information. I understand that, but when you said in English, now she was responsible to make sure that all of the other slaves had the information about the revolution that was about to occur. Yeah, she organized the whole first meeting on August 14, 1791. And then after she organized that first meeting, on August 22nd, 1791, the first organized revolt started, which led to 1803. Okay? Yes. Yes. Now, I mean, there was a stop for about a few years and then... Oh, and yes, then, there were many battles going on in between. Okay, so let's move on to the next person. The next person we mentioned was... Susan Belair. Sani Belair. Okay, Sani Belair, she was she was the wife of a lieutenant. She was also a lieutenant in the army. She was captured by